Eh bien, salut tout le monde, c'est Paula 59 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve et comme vous pouvez le voir, on voit ma tronche. Qui dit on voit ma tronche dit vidéo Retrospace. Non, pas du tout. Non, excusez-moi, c'est pas vidéo Retrospace. C'est tout simplement l'unboxing des Woodbox, comme vous avez pu le voir dans les miniatures. Donc, deux Woodbox à ouvrir et on va commencer directement par celle-ci. Voilà. Donc, je les ai déjà pré-ouvertes, on va dire, pour éviter d'avoir un couteau qui traîne ou un truc dans le genre. Donc, celle-ci, on la garde de côté parce que c'est la plus lourde. Donc on va ouvrir celle-ci, donc celle-ci c'est une octobre 2018 et le t-shirt apparemment c'est du XL. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, vidéo Retrospace justement, c'est je les ai eus à Noz en fait à 10 €, donc voilà, donc on verra bien ce qu'il y a, donc on n'a pas pu choisir la taille des t-shirts, hein, c'est normal, hein, c'est Noz, c'est pas fait pour ça. Donc, je me ravance un petit peu, voilà, et on va commencer par ouvrir. Donc, je vous laisse découvrir en premier ce qui se passe à l'intérieur. Donc, let's go. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il y a un bouquin, on voit, ouais, il y a pas mal de petites choses. J'adore les décors qu'il y a sur les woodbox, en vrai. Bon, celle-là, elle n'est pas ouf, mais c'est propre, quoi. Donc alors du coup on va commencer parce qu'on va pas trop tarder non plus, hein, on commence par le magazine, hein, le catalogue. Donc le petit magazine nous qui a tout simplement tout ce qu'il y a à l'intérieur de la woodbox, donc on verra ça à la fin. Voilà, donc on va commencer par un petit truc, donc voilà c'est ça, voilà, voilà ce qu'il y a dans la woodbox, une Chucky, voilà, une petite pancarte Chucky, enfin une pancarte, un carton Chucky. Donc je sais pas trop, voilà, je me gratte avec, voilà, c'est la seule utilité que j'ai de ce truc, c'est que je me gratte avec. Voilà, donc Chucky, voilà, un petit, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref. Alors ensuite, il y a ceci, c'est quoi? Donc voilà, ça c'est le t-shirt, d'ailleurs le t-shirt il était pas sous plastique, bizarre. Donc c'est du XL, donc c'est pas ma taille du tout, mais c'est... c'est John So. C'est le clown dans So. Regardez. C'est le clown dans So. C'est stylé. Je vais essayer de vous le rapprocher. Regardez. Mais il est classe. On voit que mes yeux. Je suis So. C'est pas mal. Et l'écriture, voilà, je vous laisse lire et mettre en pause. Hein. Play at game in one two, je sais pas quoi. Voilà, donc il est propre. Bon, ça, c'est un truc que bah, moi, je ne mettrai pas hein, parce que ça, au lavage, ça part direct. Hein. Même si vous le retournez, le t-shirt, donc ouais, c'est un conseil que je vous donne, c'est quand vous avez des t-shirts c'est à dessin, c'est de les retourner pour les laver, sinon vous perdez le dessin, tout simplement. Donc, en gros, voilà quoi ça donne, en fait. C'est très propre. Hein. C'est vraiment très propre. Bon, je le range un peu à l'arrache, hein, parce que voilà, pas trop le temps. On va mettre ça ici. Hop. Donc ensuite on va passer à une autre chose, donc là il est plastifié, celui-là par contre il est plastifié, je vois pas ce que c'est, donc c'est du Marvel déjà, c'est du Marvel, mais je vois pas ce que c'est, on va l'ouvrir, hein. Donc on y est de toute façon, oula, super, hein. Super la qualité du plastique, mais il s'est mis en boule, ah c'est bizarre la texture, c'est quoi? Oh, putain, l'odeur, ça pue. Il y a un truc là. Attendez, on va enlever ça avant parce que ça peut être dangereux. Vous voyez les trucs pour pas que ça sente le moisi. Voilà, ces trucs là, les trucs dangereux là. Ça c'est dangereux ça. Hop, donc. Ah. Voilà, là il y a un petit pins. Je sais pas c'est quoi comme pins, mais il y a un pins, vous voyez. Il y a un petit pins collection 2018. Voilà, un petit pins au calme. Le chat, pousse-toi, bordel. Voilà, petit pins. Voilà, voilà. Allez, pousse-toi, mignon. Oh là là, fait tout bouger. Donc, le foulard, qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, c'est du Marvel, donc c'est un foulard. Vous pouvez le voir. Donc, on dirait dans Spider-Man, vous voyez en gros, le Spider-Man noir, quoi. Je sais pas comment il s'appelle. Je suis désolé, hein, je sais pas du tout comment il s'appelle. Voilà, vous me voyez plus. Mais voilà, en gros c'est lui quoi. C'est dans Spider-Man. C'est le méchant de Spider-Man. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je les regarde un jour, les Marvel.
Moi, je suis pas trop fan des Marvel en vrai. Voilà, on va le poser là. Hop. Ensuite, la dernière chose, bah, c'est une pop. Voilà, la dernière chose, c'est une pop. Donc, on voit un petit peu l'arrière, hein, avant de vous faire montrer l'avant. Ici, voilà, vous voyez un peu c'est qui. Donc, c'est la 472. Voilà, c'est TI. Pourquoi TI? Mais non, c'est ça, c'est pas TI. Ah, IT, quoi, pardon. IT en anglais, donc ça. Voilà, c'est le clown dans ça. C'est cool. Si cool, si cool. Voilà, petite figurine. Donc alors, je vais reprendre le fascicule et on va regarder un petit peu ce qu'on a eu et ce qu'on aurait pu avoir d'autre. Alors, apparemment, alors, Mega Woodbox, ouais, ça on s'en fout. Tout ce qui est Mega Woodbox, on s'en fout, hein, parce que voilà, c'est pas du tout pour ça qu'on est là. Ça c'est dans quoi? Ouais, c'est bien, c'est dans les Mega Woodbox. Voilà, dans la Woodbox qu'on a eu, on a bien eu la Pop Hit, donc ça, valeur de 15 euros. Venom, voilà, Venom, voilà, c'est ça, Venom, voilà, c'est Venom, et ça a une valeur de 15 euros aussi, du coup ça fait déjà du 30 euros, le t-shirt une valeur de 20 euros, oh putain, what, ça fait cher pour un t-shirt bordel, 20 euros un t-shirt quoi, waouh. Et ensuite, bah, le officiel Chucky Art Print. Voilà, donc c'est un print en fait. De 6 euros, putain, c'est cher, hein, 6 euros. Et le pin, il coûte 4 euros. Voilà. Donc, je vais remettre tout ça à l'intérieur du carton et on va passer à la suivante. Re tout le monde, donc voilà, on est à la suivante qui est tout simplement plus petite. Mais déjà, elle a l'air déjà d'avoir une plus belle gueule. Donc, je vous laisse découvrir en premier, bien sûr. Let's go. Voilà. C'est tombé, je crois. Voilà. Donc là, c'est style arcade et tout. Donc c'est cool. Ça, je vais la garder. Par contre, cette box-là, je vais la garder. Et je mettrai tout simplement les petits, par exemple, les petites cartouches, les petits trucs comme ça à l'intérieur. Au moins, comme ça, il y aura une belle petite boîte. Donc, on commence par le fascicule. Donc voilà, c'est un fascicule Fight. Donc là, c'est la catégorie Fight de novembre 2017. Ça date, hein. Novembre 2017, ça date complet. Là, je suis en train de me spoiler. Oh, fatigué. Bon, on va commencer un direct. Donc, avec le pin, il était au premier. Donc, le pin, c'est One Punch Man. Enfin, Saitama. Voilà, le petit Saitama que vous pouvez voir actuellement. Oui, si vous voyez des flashs, c'est mon téléphone qui fait de la merde. Je ne sais pas pourquoi. Allô? Allô? Ok, là ça s'est arrêté. Dès que je le remets devant, il refait des trucs bizarres. Enfin bref. Ensuite, on va passer avec. C'est quoi ce truc? Perfect Sound Track. Ok. Je vois ce que c'est. Donc, c'est en gros toutes les musiques du jeu de Street of Rage. Donc, Street of Rage, les amis. Street of Rage. Et on se voit à travers, regardez. Waouh! Bon, par contre, ça fait des trucs bizarres. Voilà, donc du coup, du Street of Rage, un petit CD sympathique qui va rester tout simplement fermé. Voilà. Ensuite, on va passer à. C'est un bonnet. C'est un bonnet. Un bonnet Deadpool. Oui, un bonnet Deadpool. Ah, vous savez quoi? On va l'ouvrir. Hein. On va l'ouvrir. Et on va le mettre. Ça, par contre, le bonnet, je le mets. Bon, j'ai des cheveux longs, donc ça n'ira pas trop, mais bon. On s'en fout, hein. Et dedans, il y a un carton. Ouais, un carton. Foufou. Ah, ça sent mauvais, par contre, c'est horrible. Alors, le bonnet, il se met comment? Eh, mais il est trop petit pour moi! Je peux pas aller plus loin! Mais quoi? Attendez. Voilà! C'est mieux comme ça, non? On fait toute la vidéo comme ça? Je vois rien du tout, par contre. Allez, let's go. Oh, wesh. Bah, bonnet sympathique, hein, du coup. Mais trop petit. Il est trop petit pour ma tête. Voilà. Je le laisse comme ça. Pendant tout le long de la vidéo, je le laisse comme ça. Hop. Let's go. Donc, on va continuer avec un t-shirt encore. Bah oui, du coup. Normal, il y a des t-shirts dans tous les woodbox.
Du coup, couleur black, c'est The Walking Dead. The Walking Dead, là. Et c'est moi, c'est la taille, c'est ma taille. Là, c'est ma taille, c'est du L, donc c'est cool. Donc, je vais vous faire découvrir. Hein. Hop, avec le bonnet qui va bien. Let's go. Il y a du plastique à l'intérieur, quoi? Ah ouais, ok. Il y a un plastique à l'intérieur. Alors, du coup, le t-shirt, à quoi il ressemble? Ça, on s'en fout. Voilà, il ressemble à ça. Donc, je vous laisse découvrir en premier. Donc, du L, mais il est assez large pour du L quand même. Voilà à quoi il ressemble. Hey, il rend bien. Il rend super bien. Incroyable. Regardez. Il est propre en vrai. Il est vraiment très propre. Nice. C'est cool, c'est cool. Mais la texture, c'est pareil. Il va lâcher. C'est un truc qui va lâcher au lavage. C'est dommage. Hop, on va mettre ça là. Et ensuite, on va passer à la dernière chose. Donc, ça a été très vite en vrai. Oh putain, c'est lourd ça. Ah, c'est un mug. Oh, nice. Alors, c'est un mug Attack on Titan. Ok. Je suis pas trop fan d'Attack on Titan, moi en vrai. Franchement, il est propre. Il est super propre. Je vais l'ouvrir, hein, bien sûr. Hein. Mais il est hyper propre en vrai. Regardez, avec le. On voit clairement à quoi ça va ressembler. Sur le manga. Enfin, sur le mug. Voilà. Voilà. Eh les chats! Regardez les. Eh, il y a des plastiques! Plastique, plastique! Voilà. Hop! Avec mon petit bonnet qui va bien. On va même le reculer un peu. Hop! On va l'ouvrir. Oh, il est petit par contre. Comparé à mes mugs que j'ai là-bas, ça fait petit. Hein. Alors. Ah ouais, non, il est beau. Ah ouais, non, il est propre en vrai. Il est hyper propre. Donc je le regarde avant et puis je vous le fais montrer après. Hein. Mais franchement, il est bien fait. À part que ce. Ouais, non. Ouais, non. Il y a quand même des petits défauts d'impression. Mais c'est normal. C'est plus c'est fin, plus ça va être compliqué d'imprimer. Hein, c'est normal. Mais voilà, le défaut, il est là en fait. Voyez ce truc-là, là. Eh ben, sur la caméra, on ne le voit pas. Mais sinon, c'est un peu effacé déjà. Mais sinon, voilà à quoi il ressemble le mug. Il est vraiment hyper propre, hyper stylé. Avec le truc Attack on Titan ici. Franchement, il est propre. Hein. Bon, j'aurais pas mis un fond blanc, moi, en vrai, mais ça passe, quoi. Je vous fais tourner tout doucement. Ça sert à rien de faire ça, hein, mais bon. Parce que mon téléphone fait pas de focus. Il joue avec la lumière plus qu'autre chose. Vous voyez, il fait encore des flashs. C'est trop stylé. Hein. Mon téléphone fait des jeux de lumière tout seul. Bon, voilà. Eh, mais pousse-toi! Hop, je vais la remettre dans sa boîte quand même. Je sais pas où le mettre en attendant parce que il m'en refaut une deuxième bibliothèque. Donc voilà. Oh voilà, donc la boîte elle est déjà vide et franchement elle est hyper stylée la boîte. Regardez. La boîte est trop stylée. Je vous le mets comme ça sera plus simple en fait. C'est une borne arcade la boîte quoi. Ça claque. Ça claque. Il y a peut-être moyen de la foutre à l'envers et puis laisser apparent ce truc-là. Eh mais ouais, c'est ça en fait. Eh mais c'est trop ça. LOL. Mais c'est trop ça en fait. On peut la foutre de l'autre sens. Ouais, mais je le ferai pas. Je laisse comme ça. Voilà. Hop. Donc les amis, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez préféré dans ces deux ouvertures de Woodbox. Je vais quand même retirer ça, moi. Voilà. Donc, pas mal le petit bonnet, j'aime bien. J'aime bien le petit bonnet, sauf qu'il est trop petit pour moi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez préféré dans tout ce que j'ai ouvert et qu'est-ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne parce que les sondages ne fonctionnent pas malheureusement. Ils ont été retirés depuis le mois de juin. Donc, dites-moi dans les commentaires de la vidéo qu'est-ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Voilà. Donc, dimanche déjà, il y aura un récap de vide grenier, ça c'est sûr. Donc, vous l'aurez lundi ou mardi, je pense. On verra, on verra, on verra. Donc cette vidéo-là, vous l'aurez peut-être après le récap de vide-grenier ou avant, je ne sais pas encore, parce que c'est bientôt dimanche, c'est dans 2 jours. J'ai hâte enfin de refaire des vide-greniers. Bon, juste pour le lol, on va remettre un petit bonnet. Donc voilà, vous voyez, il est vraiment, je suis comprimé dedans en fait. Il est pas du tout à ma taille. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé. Je vous dis tout simplement à la prochaine, allez, tchou bye tout le monde.